Salut, c'est la planète Pois. Les enfants qui vivent sur cette planète vont au théâtre regarder des spectacles tous les jours. Hé 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 tout le monde, je suis la journaliste du parc Pingouin. Sissi, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos amis aujourd'hui? Tout le monde, après la pluie, faites attention. Regardez où vous mettez les pieds. Vous risquez d'écraser un petit escargot. Allez, je suis sûre que tout le monde est pressé. Commençons la représentation. Aujourd'hui, nous allons jouer la pièce « Aidons les escargots à rentrer ». Aidons les escargots à rentrer. Papi, je vais aller au parc avec Petit Jean. Après la pluie, le parc sent bon. Même le sol a une odeur particulière. D'accord. Papi aussi veut aller se promener. Super, je vais appeler Petit Jean et Sassa. Hein? Doudou, tu veux aussi sortir, n'est-ce pas? Ça sent bon. Je vais cueillir une fleur. C'est ça? Pourquoi tu veux cueillir une fleur? Je veux la mettre dans mes cheveux. Ça va être beau. Non, tu ne dois pas. Si, je vais le faire. Sissi, il y a plein de caméras cachées. Tu les vois? Si tu cueilles une fleur, ça va te savoir. Mais ce n'est pas grave. Juste une seule petite fleur. Il y en a tellement, personne ne verra. Ne faites rien de méchant, même si ce n'est rien. Papi, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que, du moment qu'une chose est nuisible, même un tout petit peu nuisible, il n'est pas bien de faire cette chose. Même si c'est une petite fleur, on doit la protéger. D'accord, les enfants? Papi, j'ai compris. Désolé, les fleurs. Regardez, c'est beau. Sissi, tu es génial. Dobby, Petit Jean, c'est bien d'avoir stoppé un mauvais comportement. Ne faites rien de méchant, même si ce n'est rien. Avez-vous compris? Oui, ne faites rien de méchant, même si ce n'est rien. À présent, apprécions la danse des petites fleurs. Regardez, il avance doucement. Je suis un petit escargot. Papi, pourquoi les escargots sortent les jours de pluie? Parce qu'ils n'aiment pas sortir au soleil. Ils aiment rester dans le sol. Quand il pleut, les escargots vont prendre l'air. Mais ils risquent d'être piétinés par les passants, inattentifs quand ils rampent. Ça avance si lentement, normal qu'on marche dessus. Hein? Aidons-le à rentrer chez lui. Hein? C'est tellement visqueux. Laissons-le ramper seul. Il n'y a presque personne sur le chemin. Hein? Non! Si jamais quelqu'un ne le voit pas. Oh mon Dieu! L'escargot, c'est mignon, va! Gros lâche! Faites quelque chose de bien, même si ce n'est rien. Papi, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que, peu importe à quel point votre action est insignifiante, du moment que c'est bien, vous devez la faire. Papi a raison. D'accord. Je vais vous encourager. Vous les aiderez à rentrer. Alors je serai capitaine. Bien, j'accompagne le petit escargot. Hé, par là. Allez, encore un peu. Vous êtes géniaux, vous avez compris? Faites quelque chose de bien, même si ce n'est rien. Oui, faites quelque chose de bien, même si ce n'est rien.
Bien les enfants, maintenant chantons ce proverbe ensemble. Faites rien de méchant même si ce n'est rien. Faites quelque chose de bien même si c'est rien. Faites rien de méchant même si ce n'est rien. Faites quelque chose de bien même si c'est rien. Faites rien de méchant même si ce n'est rien. Faites quelque chose de bien même si c'est rien. Faites rien de méchant même si ce n'est rien. Faites quelque chose de bien même si c'est rien. Ne faites rien de méchant même si ce n'est rien. Faites quelque chose de bien même si ce n'est rien.